L'athlétisme, ça a commencé depuis que j'ai 7-8 ans, c'est devenu une grande, grande passion. Je suis licenciée au TPA, Tapir en athlétisme depuis toujours. Je suis membre du Pôle France Relève. J'ai vu Kevin Meyer et Nana Dimou, je suis vraiment fan d'eux en fait. Et c'est grâce à eux que j'ai voulu découvrir cette passion-là pour l'heptathlon. Il comporte 7 épreuves qui se déroulent sur 2 jours. Je me suis spécialisée dans les haies, le poids et la longueur, c'est ce qui est devenu vraiment mon point bonus plus plus. C'est avec mon grand-père que je m'entraîne. C'est grâce à lui que j'en suis venue ici parce que le fait qu'il y ait ma famille qui soit autour de moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est un sport qui demande vraiment beaucoup, beaucoup d'attention, de rigueur. Et actuellement, je m'entraîne entre 5 et 6 jours par semaine. J'ai fait le championnat de France qui se passait à Aubagne. Je m'étais entraînée très, très, très dur pour avoir un pic de forme. J'étais sur le record de France, en fait. J'ai gagné la première épreuve, puis la deuxième. Je me suis dit, bon, là, je regarde mon coach, il me regarde, il me dit, là, on est bien. J'ai gagné la troisième, et là, franchement, je gagne la quatrième. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais gagné la hauteur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est bon, je pense que j'ai gagné. Mais ça a été très, très dur, je me suis battue. Et quand je suis montée, en fait, sur la marche, je me suis dit, je l'ai enfin fait, j'ai gagné. Et franchement, bah, c'est un rêve depuis gosse, quoi. Quand j'ai intégré le Pôle France l'année dernière, j'ai senti que j'avais passé un cap. J'ai l'ambition d'être à Paris en 2024. Je vis pour ça, je vis pour être là-bas. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est venu depuis que je suis toute petite, parce que c'est un rêve. Mon objectif prochain, c'est de faire les Europes et peut-être les gagner.